Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Croyez-vous que c'est possible de me faire une petite place entre vous deux? Comme ça, nous pourrons tous voir le livre. Et qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui? Je vais vous lire une nouvelle aventure de Caillou. L'histoire s'intitule « Caillou va travailler ». Caillou était très content. Sa maman l'avait emmené avec elle au travail. La première chose que nous devons faire, c'est franchir les portes tournantes. Je sais comment faire, je vais te montrer. D'accord, je te regarde, mais n'oublie pas de sortir de l'autre côté. Maman? Oh, fais attention, continue à pousser, Caillou. J'aimerais bien le refaire. Caillou n'avait jamais rien vu de pareil. Il y avait plein de drôles de bruits et plein de gens qu'il n'avait jamais rencontrés avant. Caillou! Bonjour, tu dois être Caillou. Bienvenue dans nos bureaux. Passe une bonne journée. Caillou est venu travailler. Waouh! Regarde, Caillou, tu as même ton propre bureau. Dis-moi ce que tu aimerais faire. Je voudrais travailler. Caillou pensait que travailler voulait dire écrire sur du papier. Je vais écrire là-dessus. J'ai fini. Regarde, maman. Fini déjà? Donne-moi une minute et je regarde. Regarde, maman. Là, c'est toi. Là, c'est papa. Là, c'est Mousseline. Et là, c'est moi. Garde-le. Je l'ai fait pour toi. Il est vraiment magnifique, Caillou. Merci. Tu as très bien travaillé, mon chéri. Je voudrais jouer avec toi. Non, pas tout de suite, Caillou. Je dois terminer ce travail. Tiens, pourquoi tu ne fais pas un autre dessin? Tu sais, Nounours, quand maman travaille, elle travaille longtemps. Je n'ai pas encore tout à fait fini, mais j'ai une surprise pour toi. Allô, papa? C'est moi, c'est Caillou. Je travaille avec maman. Oui, moi aussi je travaille. Nounou, c'est avec moi. On a plein de choses à faire. Je t'aime, papa. Et si on s'arrêtait pour manger? Caillou, maman et Nounours s'installèrent donc car il était midi. Je propose qu'on accroche ton dessin sur le mur, juste derrière toi, comme ça tout le monde le verra. Ouais, c'est moi qui l'accroche. Superbe, quel beau dessin. Oh. Voilà, mon chéri. On se reverra plus tard. Et tu vois, là, c'est le bureau où maman travaille. C'est exact. Caillou était très fier de montrer à son papa qu'il savait même où était la sortie. Attends, je vais te montrer comment ça fonctionne. Les portes étaient très lourdes. Papa décida d'aider un peu Caillou. Il faut être vraiment fort pour pouvoir pousser ces portes. Ça, je le sais. Et Caillou raconta à son papa tout ce qu'il avait fait.